Bonjour, bonsoir, c'est Hakim. Très heureux de vous retrouver sur Eurodance Story, le podcast francophone qui vous parle de la musique Eurodance une 100e fois, si ce n'est plus, si je ne compte pas les bonus, parce que nous attaquons l'épisode numéro 100 déjà. 100 épisodes au moins que vous m'écoutez, si vous m'écoutez depuis le début. Vous avez du courage, mais cela me touche. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que l'Eurodance ne vous a pas saoulé au fil de l'écoute. Non, je l'espère. Hein. Moi, elle ne me saoule pas, donc je pense que pour les passionnés ou pour ceux qui sont curieux, ils apprécieront en fonction des épisodes les univers qui leur intéressent. Parce que comme vous l'avez compris, l'Eurodance est assez vaste. En passant de 20 Finger à Too Limited, vers du Ice MC, du Milk Inc, etc. Oui, parce que l'Eurodance, il y a aussi de l'Eurotrance. Bref, il suffit d'écouter les 100 épisodes. Hein. Je ne vais pas faire un petit remix de tout ce que j'ai déjà dit aujourd'hui. Mais donc 100 épisodes, c'est-à-dire que oui, il y a eu des épisodes bonus comme les Top 100, les épisodes d'anniversaire. Vous souvenez-vous, les clubs flashback, etc. Je n'ai comptabilisez pas en termes d'épisodes parce que c'était plus des épisodes musicaux. Mais celui-ci, cet épisode sera aussi essentiellement musical, même si je vais parler entre chaque chanson. Je vais vous annoncer, je vais vous dire pourquoi dans quelques secondes. J'ai regardé juste par curiosité sur le site PodCloud où Eurodance Story est diffusé. Et ce qui est bien, c'est que sur ce site, il donne une idée du nombre d'heures d'épisodes. Admettons, si vous voulez démarrer depuis l'épisode 0 jusqu'à cet épisode 100, combien il vous faudrait pour arriver jusqu'au bout ? Eh bien, d'après SpotCloud, j'aurais enregistré, alors ça me surprend, ça me choque, j'ai enregistré 6 jours, 13 heures, 1 minute et 28 secondes. Et encore, c'est bien plus que cela parce que à l'heure où j'enregistre cet épisode-là, l'épisode 100, il n'y a que l'épisode 89 qui a été diffusé récemment. Les 90 n'a pas été comptabilisé, et ni les épisodes 91 à 99. Donc, il y a au moins 6 jours d'écoute. Ça me choque, hein. Bon, enfin, bref. Ravi de continuer, de poursuivre l'aventure Eurodance Story. Et aujourd'hui, pour cet épisode 100, j'ai tout simplement choisi un thème que j'ai décidé, de manière non exhaustive, mettre en avant. Mais tout d'abord, j'ai une question pour vous. Parlez-vous français ? Oui, je l'espère. Enfin, du moins, vous me comprenez, sinon vous me zapperez à m'entendre parler. Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que là, on va s'écouter des chansons Eurodance, Eurotrance parfois, voire un soupçon de Dream, où les paroles sont en français. Alors, j'insiste, hein, les paroles en français, et non des chansons françaises. Car, comme vous le savez, on en a eu beaucoup de productions françaises en Eurodance, Rosine Clark, Sherry Moon, Lena, etc., où les chanteuses ne chantent pas en français, mais en anglais. Ça ne sera pas le cas dans cet épisode. Ce n'est pas un épisode sur les productions françaises, donc ce n'est pas, grosso modo, la French Touch, mais des chansons où la langue française est utilisée. Alors, bien sûr, il y aura des produits français, mais pas que, vous allez le voir. Même si vous le savez déjà, parce que j'ai déjà glissé par le passé quelques petits sons. Donc, ce que l'on va faire à chaque fois, je vais passer un titre, je vous parle vite fait de ce titre, et on passe au suivant. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il est essentiellement musical. Il y aura bien entendu la pause musicale, comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, donc n'avancez pas jusqu'à la fin, ok ? Parce que je sais qu'il y en a qui attendent spécialement la pause musicale pour découvrir de nouveaux sons. Alors, je vous ai dit que c'est une sélection non exhaustive parce qu'il y a le choix. En Eurodance, Eurotrance, même Dream. Donc j'ai mis celle qui sortait du lot, selon moi, bien entendu. Et je n'ai pas voulu, alors au début je comptais le faire, je n'ai pas voulu inclure les sons EDM avec des paroles en français, parce qu'il y en avait beaucoup d'une, et l'épisode ferait plus de 3h, 4h. Donc il n'y aura pas la partie EDM, sauf peut-être une exception ou deux, voilà. Mais je vous le dirai à ce moment-là. Et on va débuter avec une chanson donc française, enfin en français, mais oui, c'est une chanson française puisque l'artiste en question est originaire d'Aix-en-Provence. Elle est née en 1970. Elle s'appelle Véronique Rougier.
Alors, ce nom vous dit peut-être rien, mais elle a une longue carrière musicale où elle a débuté même dès mi-1988. Et c'est dans le début des années 90, 92, 93, 94 où elle va bien s'essayer à la dance music, à l'eurodance, même flirter avec la dream music. Je veux bien sûr parler de Ita Faro. Voilà, Ita Faro, cela parlera à certains d'entre vous. Donc, Ita Faro, j'ai choisi pour vous la chanson qui date de 96, « Le monde est dans tes yeux ». Très, très belle chanson. Voilà, alors juste pour info, Ita Faro, donc, elle, il me semble qu'elle n'est plus dans le métier de la musique, puisque apparemment, elle a un nouveau métier. Elle travaille dans la voyance. Elle a d'ailleurs un Instagram où elle s'expose à ce sujet. Et vous pouvez la retrouver, hein, si vous vous intéressez à cet artiste, sous le nom de Yanael May, May, M-A-Y. Voilà, mais là, on se focalise sur sa carrière de chanteuse. Alors, pas en épisode story, je ferai peut-être un sur elle, parce qu'elle a pas mal de sons, un de ses quatre, peut-être dans le futur. Mais là, elle se prête au thème de l'épisode, on écoute. « Le monde est dans tes yeux », d'Ita Faro, sorti en 1996. Yeux. Le monde est dans tes yeux. Le monde est dans tes yeux. Le monde est dans tes yeux.
Magnifique souvenir, ce Le Monde est en tes yeux d'Ita Faro, sorti en 1996. D'ailleurs, j'ai mis une photo d'illustration où j'ai mis quatre artistes que l'on va retrouver le plus dans cet épisode, dont Ita Faro, puisqu'on la retrouvera après la pause musicale. Sur la photo d'illustration, c'est la blonde qui est tout à droite. Voilà, histoire de vous mettre un visage si vous ne la connaissez pas ou vous rappelez d'elle, tout simplement. Donc, on poursuit avec un titre très rare de l'Eurodance, une chanteuse qui s'appelle Damaye, produite en France. Alors, je pense pas que vous la connaissez, ou alors c'est que vous êtes vraiment passionné d'Eurodance, mais elle mérite le coup d'oreille. C'est une production française par Johnny Williams, de son vrai nom Harry Verschuer. Alors lui, il est connu pour avoir plusieurs productions Eurodance, dont House Control. Il a bossé avec les B1, aussi Roman Photo, entre autres. Voilà. Donc, on s'écoute Damaye avec la chanson Corps à Corps, qui sortait en 1994.
Sympa le son nom de Corps et Corps. J'aime bien la mélodie électronique en tout cas, et je trouve qu'elle a une voix correcte, mais elle est totalement passée inaperçue. Voilà. Donc j'en profite via le podcast pour vous faire découvrir ce son qui aurait pu un jour peut-être passer à la pause musicale, mais bon, chose faite, réparée, puisqu'elle passe dans un épisode spécial thématique. Allez, on poursuit avec un titre que vous connaissez très très bien, d'un groupe allemand que j'ai traité il n'y a pas si longtemps que cela, cette année. C'est le groupe Zash, oui, parce que vous le savez, c'est un trio, ce n'est pas qu'un DJ. Un trio porté par le DJ Sacha Lepsen. Zash, souvenez-vous, leur deuxième single, c'était une chanson allemande, bien entendu, mais avec des paroles en français qui répétaient encore une fois, mais pas que, par la voix de l'allemande Sabine Hommes. Et souvenez-vous, si vous avez écouté l'épisode story sur Zash, je vous avais dit qu'il y avait une erreur de pressage lors de la commercialisation du single et que c'était un remix qui était en piste 1 et qui servira finalement de single officiel finalement. Alors que la version originale était passée en piste 2. Et bien j'en profite pour vous faire écouter la version d'origine. Encore une fois, vous allez voir, elle ne diffère pas trop, sauf qu'on entend Sabine plus parler que dans la version mixée qui est le single officiel. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'ici, mais bon, bref, je vais vous mettre la version d'origine d'Encore une fois, qu'on pouvait retrouver d'ailleurs sur l'album de Zash, et avec la voix de Sabine Hommes qui sortait en 1996. Mesdames, Messieurs, le disc jockey Zash est de retour. Après le succès imprévu du titre « It's my life », il dit merci à tous les autres disjockeys pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois.
poursuivons avec un petit bébé de 4 ans. Ça vous dit quelque chose ? Un certain Jordi, oui, qui est né en 1988 et qui est originaire de la Normandie. Donc il est né à Caen exactement. Et donc en 92, il a 4 ans et il sort, enfin, ce n'est pas lui qui sort directement, c'est ses parents qui enregistrent sa voix lorsqu'il parle. Dur, dur d'être un bébé. Son père, c'est Claude Lemoine. Donc Jordi va avoir une petite carrière suite au succès de Dur, dur d'être bébé. Il va sortir plusieurs titres, dont Allison, qui avait bien marché également, J'ai les boules aussi. Mais c'est bien sûr Dur, dur d'être bébé qui va directement le propulser en pleine lumière. Et donc il s'avérera par la suite que son père va dilapider son argent. Donc il va, alors que l'argent gagné via ses disques aurait dû être bloqué puisque c'était un enfant. La loi était comme ça, il me semble, à l'époque. Donc il en a profité pour gaspiller tout l'argent de Jordi, pour construire un parc, pour surfer sur le succès de la gloire de son fils. Et à cause de cela, son père, Claude Lemoine, a perdu la totalité des droits d'auteur de son fils, ainsi que son propre patrimoine. Voilà. Donc là, on va s'écouter, on va revenir en arrière à l'époque où c'était la fête et le bon temps. En 92, au tout début de l'Eurodance, on peut le dire, avec son dur dur d'être un bébé. Voilà pour ce qui est de notre cher Jordi. D'ailleurs, il avait participé en 2005, lorsqu'il avait 17 ans, à une émission de télé-réalité, La Ferme Célébrité, c'était la deuxième édition, et il avait gagné la finale grâce au vote du public. Et depuis, apparemment, il serait marié, ou alors
Il a une compagne en tout cas, mais il a eu un enfant avec sa compagne, un petit garçon qui s'appelle Milo. C'était en 2017. Alors poursuivons maintenant avec une Belge qui chantait en français bien entendu. Une Belge qui mange des tartines de bon matin. Cela vous parle ? Une certaine Kim Vani. Son pseudo était Kim K en fait. Elle est née en 78 à Termonde en Belgique. Et elle fracasse tout lorsqu'elle sort son tout premier titre en 1998, Lali, qui surfe un petit peu sur la dream music exactement, le retrance on va dire même plus, pour être plus précis. Et donc là, cela avait même marché chez nous en France. Forcément, vous l'avez au moins entendu une fois. Alors sachez juste qu'elle a sorti qu'un album durant sa carrière qui s'appelle La vie en Lilali. Puis en 98, mais elle a sorti une bonne dizaine de singles, en tout cas entre 98 et 2003. Elle a d'ailleurs une compile de hits de ses singles qu'elle sort en 2000. Malheureusement, elle a eu beaucoup de problèmes de santé à la fin des années 2000, enfin la fin des années 2000, plutôt vers 2010, je devrais dire. Et donc, elle a développé un cancer, elle a dû se battre contre cette maladie, elle a eu des problèmes de santé, elle a eu une addiction à la morphine à cause de son cancer, justement, pour éviter d'avoir mal, tout simplement. Et d'ailleurs, elle avait dit lors d'une interview en 2018, donc c'est plus récent, que malheureusement, elle rêverait de chanter, de danser sur scène, mais à cause de sa maladie, elle est clouée au lit, donc elle ne peut même pas marcher. Voilà, franchement, ça me fait de la peine pour cette chanteuse, parce que je la trouve très sympathique, elle était rayonnante, pétillante, lorsque je l'avais découverte à l'époque, parce que ça passait pas mal hein, sur nos télés françaises, sur M6, il me semble, mais elle était même au Hit Machine, elle était classée, oui. Donc, on va s'écouter Lilali, donc son premier hit en 98, mais on la retrouvera après la pause musicale, bien entendu, comme Ita Faro. D'ailleurs, Kim K est sur la photo d'illustration, c'est la troisième personne, donc c'est la brune, tout simplement. Voilà, donc on écoute Lilali de Kim K, sorti en 1998. Lilali, 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 l
retrouve Kim K après la pause musicale, comme je vous l'ai dit. Sinon, en 1974, va apparaître un personnage iconique sur nos chaînes françaises. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes à l'époque. Sur RTF, la chaîne de l'RTF, c'est un certain Casimir. Alors, les jeunes ne le connaissent pas, je pense. Enfin, à moins d'en avoir entendu parler, mais les gens de mon époque, oui. J'ai 44 ans, je vous le rappelle. Enfin non, 45 ans après l'écoute de cet épisode. Bref, ce Casimir, c'était une sorte de marionnette de taille humaine, une sorte de reptile bipède qui était interprété par un certain Yves Brunier. C'était une émission télévisée pour enfants qui s'appelait L'île aux enfants, justement, et Casimir était une sorte d'animateur, entre guillemets, même si se passaient des petites histoires, un petit peu comme à l'époque de Dorothée avec Pas de pitié pour les croissants. Donc, il se mettait en scène, il y avait plein de personnages sur le plateau télé. Et voilà, je pense qu'il y avait des dessins animés qu'il présentait de mémoire. Okay, et donc, pourquoi je vous parle de ce Casimir? Puisqu'en 1993, il va être remixé à la sauce Eurodance via le label Versailles, qui est une filiale de Sony Music Entertainment France, voilà, qui en profite de surfer sur le succès de l'Eurodance, puisqu'on est en plein pic de ce genre musical, c'est 1993. Donc on va s'écouter la version du générique de L'île aux enfants, mais version Eurodance, parce que en effet c'est juste un sample de la version d'origine qui portait la voix donc de Casimir, et il y a une chanteuse qui s'appelle Florence Laval. Voilà, donc on va s'écouter L'île aux enfants, remix 93 par Casimir. Thank you.
Sachez juste que le gloubi boulga, c'est un plat que mangeait le dinosaure Casimir. C'était son alimentation composée essentiellement de gloubi boulga. Et apparemment, il existerait des recettes sur Internet. Je n'ai jamais testé perso, mais pourquoi pas un jour, hein, histoire de ne pas mourir bête. Ah, un instant, alors, il y a quelqu'un qui tape à la vitre. Qui ça peut être? Ah, Kevin! Allez, oui, je te laisse la place. Allez, on va t'écouter pour ta rubrique du jour. Cela faisait un petit moment. Allez, c'est parti, Kevin. Get ready. 5, 4, 3, 2, 1. Today's music, yesterday's hits. Anything could happen. Bonjour à tous, bonjour Hakim, c'est Kevin. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour un nouvel épisode des découvertes musicales. Le principe est toujours aussi simple, des personnalités, des acteurs, des comiques, des candidats de jeux télé, des présentateurs, des sportifs, des miss et j'en passe, vous les connaissez. Leur point commun, ils ont tous fait un disque, alors découvrons ensemble leur talent. L'Eurodance et l'Eurovision vivent une grande histoire d'amour. De nombreux artistes ont essayé l'expérience, comme Dr. Alban, Kimke, E-Type, Alcazar, Erotic, Gunther, Velvet, Jessica Volker, Nana Edin, Pandora, Rednex ou encore Agnès. Et d'autres ont participé au deuxième programme le plus regardé au monde. Darude, Cascada, Susan Georgie de Me and My, Kate Ryan, Wildos People, Tattoo, Elena Paparizou, La SketchUp, DJ Bobo, Sakis Rouvas ou encore Luca Hani. C'est en 2020 que sort l'excellent film Eurovision sans contest, The Story of Fire Saga, interprété par l'acteur Will Ferrell. Il s'essaie alors à la chanson en interprétant plusieurs titres durant le film. La BO est d'ailleurs nominée au Grammy Award 2021. Sans plus attendre, découvrons ensemble Double Trouble, le duo Will Ferrell et My Marianne, dans une version inédite pour Eurodance Story. Le remix par Tiesto inclut les parties chantées par Will Ferrell en solo. Très bonne écoute et prenez bien soin de vous. Now, here comes the music. I saw you, and then all of my eyes turned on it. You turned round, and I suddenly found my glory. Sometimes I pinch myself, 'cause I don't know. Am I dreaming now? I wanna stop the clocks and hold you close, but I don't know how. I don't know how.
Merci beaucoup Kevin pour cette découverte, t'es toujours le bienvenu, j'espère qu'on te retrouvera au prochain épisode. En tout cas, cette semaine, ton choix, je n'aime pas, j'adore. oui, j'aime beaucoup. Alors, en fait, je ne connaissais pas cette chanson parce que je n'ai pas encore vu le film qui est justement sur Netflix, il me semble, sur l'Eurovision Saga, là. Et il faut que je le regarde parce que j'aime bien l'Eurovision de ces dernières années. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs de mon podcast à vous inscrire au Discord parce que justement, lorsqu'il y aura le prochain concours d'Eurovision, on sera plusieurs à commenter la soirée en même temps sur un salon du Discord d'Eurodance Story. Donc n'hésitez pas à vous connecter, il y a dans les notes de cet épisode tous les liens pour nous rejoindre. Kevin y est d'ailleurs, si vous voulez parler avec lui. Voilà, il anime le Discord, donc soyez toutes et tous les bienvenus. Tu as bien fait, Kevin, aussi de citer qu'il y avait pas mal d'artistes Eurodance qui se sont essayés à l'Eurovision. Voilà, donc moi j'en avais déjà parlé aussi via l'épisode d'Érotique, parce qu'il y avait la chanteuse Jeanne, celle qui avait remplacé Liane Lee, qui avait fait un petit passage éclair au concours, aux sélections, il me semble, voilà. Et également Dr Alban et Jessica, oui, je m'en souviens très bien, j'avais adoré leur duo Jessica Folker, voilà. Bref, mais il y a de quoi écouter. D'ailleurs, cette année, Pandora est de la partie. Enfin, si elle est retenue, hein, je ne sais pas, à l'heure où sera diffusé cet épisode, si l'Eurovision sera passé ou pas à cause du Covid. Voilà, je ne sais pas où on en sera d'ici la diffusion de cet épisode, donc je ne veux rien prévoir. Allez, on poursuit avec un groupe belge encore. Et oui, dans la Belgique, la langue française est une langue couramment parlée dans ce pays. Donc en effet, il y a des artistes de dance music hein, qui nous ont sorti pas mal de petits sons. Mais il y a un gros projet belge qui était plus orienté New Beat Acid House, mais qu'on peut classer dans l'Eurodance via certains titres, dont Le Dormeur, que vous connaissez certainement si vous avez écouté certains de mes bonus musicaux de l'an passé, quand je passais les clubs flashback. Je veux bien sûr parler de Pleasure Game, qui est en fait un duo de producteurs composé de Bruno Van Gars et Jackie Meurice, qui sont donc les producteurs de ce groupe, où il y aura pas mal de turnover avec d'autres producteurs, de compositeurs, et de front guy, front lady, etc. Et lorsque Le Dormeur sort, donc il y a un duo à l'image, hein, une femme et un homme. Alors la blonde qui va chanter dans ce morceau, hein, qui va dire « Réveille-toi », c'est Laurence Stein, ex-top model, hein, qui va être la front lady de ce groupe à ses débuts. Et elle sera remplacée un petit peu plus tard par Nathalie Vincent. Et je vous ai d'ailleurs fait écouter un extrait avec Nathalie Vincent, animatrice M6, dans l'épisode story sur Pinocchio. Pinocchio, puisqu'en effet, Nathalie Vincent était membre de ce groupe à un certain moment. Voilà, je vous avais fait écouter Capitaine Flamme de Pleasure Game. Mais le gars, le front guy, hein, qui était là depuis les débuts jusqu'à la fin, il me semble, mais il faudra que je fasse un épisode story sur leur cas, parce qu'ils ont une discographie intéressante, c'est Philippe Dont. Alors, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Alors, Dont, ça s'écrit, hein, pour ceux qui veulent le rechercher sur les réseaux sociaux, D-H-O-N-D-T. Donc, je m'excuse hein, si je prononce mal son nom de famille. Alors, Philippe Dont a plusieurs casquettes, en fait, parce qu'il est à la fois interprète, compositeur, auteur, animateur de radio. D'ailleurs, il est animé sur Radio Galaxy, une radio, du Nord Pas-de-Calais. Et Philippe Dont, c'est celui que vous voyez sur la photo d'illustration. C'est le seul homme, hein, d'ailleurs. Il y a quatre personnes. Hein. Vous avez vu Kim Kay et Ita Faro. Donc, la deuxième photo, il s'agit de lui. Donc, Philippe Dont. Et on le retrouvera encore après la pause musicale, lui aussi. Mais lorsque Le Dormeur sort, alors il faut savoir que cette chanson contient un sample issu du film Dune du réalisateur de Twin Peaks. Vous voyez de qui je veux parler, David Lynch. Voilà, donc il y a à un moment donné un personnage qui dit « Le dormeur doit se réveiller ». Voilà, donc là, il faisait Philippe Dont pour cette chanson du playback, bien entendu, sur cette accroche, puisque c'est une accroche issue de la version française, donc doublée du film Dune. Voilà, donc on s'écoute « Le dormeur » de Pleasure Game, qui sortait en 1991. Dormeur.
se réveiller. Se réveiller. Réveillez-vous. C'est une chanson que je connaissais par cœur à l'époque. J'avais le 45 tours vinyle. Voilà, je ne sais pas où il est passé d'ailleurs. Il est resté à Nice, la ville où j'ai grandi. Et je ne sais pas s'il a survécu. Je pense que j'avais rangé mes vinyles à la cave. Donc bref, mes 45 tours, j'en avais pas mal à l'époque. Poursuivons l'épisode. Et tiens, on va poursuivre avec une artiste qui a tenté l'Eurovision. Où elle a été éliminée à la demi-finale, il me semble, pour la Belgique. Elle représentait encore la Belgique. On reste chez les Belges. Il y en a pas mal dans cet épisode. C'est une artiste eurotrente. Son nom est Catherine Verbeek. Elle va avoir un bon succès au début des années 2000. D'ailleurs, durant sa carrière, elle a sorti 5 albums entre 2002 et 2012. Mais elle va se faire connaître avec un titre français, qui est en fait une reprise. C'est, je veux bien sûr parler de Kate Ryan. C'est la blonde que vous voyez sur la photo d'illustration, mais tout à gauche. Alors, comme on la voit sur la photo d'illustration, on la retrouvera encore une fois après l'épisode, après la pause musicale, pardon. Pas après l'épisode. Donc, Kate Ryan, donc, elle avait participé, comme je vous l'ai dit, à l'Eurovision. C'était en 2006 avec la chanson « Je t'adore ». Donc là, on va s'écouter « Désenchanté », qui est une reprise d'un des tubes de Mylène Farmer. Mais le « Désenchanté » de Kate Ryan date de 2002. Flotter dans l'air trop lourd du presque rien, qui tendre la main si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. Je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence.
Version d'origine, donc désenchantée par Mylène Farmer, date pour info de 1991. On poursuit avec un hymne du cinéma français. En 1978, Patrice Lecomte sort Les Bronzés. C'est un film avec Josiane Balasco, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Marianne Chazelle, Gérard Jugnot, Michel Blanc de mémoire, voilà, j'en oublie certainement. Et donc, dans ce film, j'allais dire, il y a un moment, les acteurs interprètent une chanson qui s'intitule « Dire la dada », le « Dire la dada » des Bronzés d'ailleurs. Et cet hymne-là sera reprise façon Eurodance, un petit peu comme Casimir tout à l'heure, en 93 par les Géoculture. Alors Géoculture, c'est un projet belge encore une fois, puisqu'il y a 5 producteurs derrière ce petit groupe qui n'a sorti qu'un album et 4-5 singles exactement. Et les gars qui sont derrière ce petit projet, bon, on retrouve Bruno Van Gars, qui était, donc comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, chez les Pleasure Games. Et on retrouve, il y a d'autres producteurs que sont Benoît Marissal, Freddy Neri, Jackie Meurice et Michel Nachtergaël. Et ce groupe, les Géocultures, c'était un petit peu comme... les Latino Party, dans le sens où il y avait 4 personnages, 4 front gays et front lady, 2 femmes et 2 hommes, qui ne faisaient qu'en fait que du playback. Et justement, lorsque sort Darla Dirla Dada Eurodance, hein, version Eurodance en 93, il y avait même un clip, donc ils étaient invités sur tous les plateaux télé, il y avait toujours ces 4 personnages via ce titre-là. Et les géocultures, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, c'est géo, c'est tout simplement un acronyme pour dire gentil organisateur, donc en gros, les gentils organisateurs culture. Enfin bref, c'est belge, je ne sais pas s'il faut comprendre quelque chose. C'était une petite vanne, hein. Je suis né en Belgique hein, d'ailleurs, donc je peux me permettre. Donc, donc on retrouve les géocultures avec Darla Dirla Dada en 93. C'était sympa, je vous propose de l'écouter tout de suite. Il y a du soleil. Il y a du soleil. We'll be right back.
Au début de cette année, je vous ai parlé d'une chanteuse canadienne, MG. Et justement, en 1999, lorsqu'elle sort le single « Love Will Keep Us Together », elle y incruste dans son CD une piste française, une version française de ce titre que je vous propose d'écouter tout de suite. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur MG, écoutez l'épisode numéro 88. Allez, Love Will Keep Us Together, version French de MG. Je préfère tout de même la version anglaise qui est sortie en 99 de Love Will Keep Us Together. Et maintenant, je vous propose d'écouter L'Hôtesse d'Angelix, sortie en 1996. Connecte-moi. Connecte-moi. Danse, transfert. Je suis ton hôtesse.
Tu me vois, mon image symphonique. Je suis l'hôtesse, notre idylle est pathétique. En distress, tu me veux énigmatique. Oh. Je suis là, je vis le diabolique. Tu me vois, mon image symphonique. Je suis l'hôtesse, notre ville est pathétique. Anti-stress, tu me veux énigmatique. C'était l'hôtesse d'Angélique, sortie en 1996, deuxième single de ce petit projet français. Et derrière cette voix se cache une personnalité, enfin une maman d'une personnalité connue de la dance music, puisque ce n'est autre que la mère de notre cher petit Jordi, celui qui chantait « Dur dur d'être un bébé ». Et oui, la maman qui pose sa voix, la maman de Jordi, s'appelle Patricia Clerget. Patricia Clerget qui était animatrice de radio, mais aussi chanteuse de variété, puisque dans les années 80, elle avait sorti quelques 45 tours, dont le titre par exemple « Décadence ». Voilà, donc un petit clin d'œil, hein, je voulais vous le mettre parce que je pense que plusieurs d'entre vous ne connaissaient pas ce titre, Angélix, et encore ne savaient pas que c'était la maman de notre cher petit Jordi. Et apparemment, un certain Laurent Istel hein, aurait travaillé sur ce son, Laurent Istel, qu'on peut connaître via des projets comme Antea ou Sarah. Sarah qui avait chanté Loving You, par exemple, dans la Dream Music. Ensuite, retournons à la Belgique avec les Bassland Boys. C'est un groupe belge aussi de New Beat, on va dire, composé de deux producteurs que sont Fabian Van Messen et Marc Nutjens. Alors, il y a une petite histoire qui se cache derrière la chanson que vous allez écouter tout de suite et que je vous raconte après l'écoute. C'est la chanson de On se calme avec la voix de Christophe de Chavannes, animateur français, donc qui sample une chanson qui sample des extraits de sa voix qui ont été récupérés sur ses émissions, dont Ciel Mont Mardi par exemple, puisque On se calme sort en 1989 donc par les Bassline Boys. C'est un scandale, c'est un scandale, parfois c'est absolument une horreur totale. Monsieur de Chavannes, de Chavannes, de Chavannes, Monsieur de Chavannes, you are going to pay. Monsieur de Chavannes, de Chavannes, de Chavannes, Monsieur de Chavannes, you are going to pay. On se calme, on se calme, on se calme. Ça me glace. Monsieur de Chavannes, vous avez une émission à scandale. C'est un scandale. Je vous trouve un petit peu hargneux quand même. Monsieur de Chavannes, de Chavannes, de Chavannes. Monsieur de Chavannes, you are going to pay. Monsieur de Chavannes, de Chavannes, de Chavannes. Monsieur de Chavannes, you are going to pay. Monsieur de Chavannes, vous avez...
une émission à scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Enfin, c'est absolument une horreur totale. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Bon. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Bon. C'est assez violent, hein. Je ne ferai aucun commentaire. C'est assez violent, hein. Je ne ferai aucun commentaire. Voilà, donc c'était On se calme des Bassline Boys qui sortait donc en 89. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, pourquoi ils ont utilisé la voix de Christophe de Chavannes. En fait, juste avant ce titre, en 88, ils sortent un titre qui s'appelle Warbeat, qui sample des vieilles déclarations de personnes issues de la Seconde Guerre mondiale, hein, des politiques, etc., des politiciens. Et donc, lorsqu'il y a la promo de ce clip, de cette chanson, pardon, il y a plusieurs groupes, hein, qui se font passer par eux, par les Bassline Boys, à divers endroits de la Belgique et la France, dans les clubs, etc. Et justement, un jour, dans l'émission Ciel Montmardi, animée par Christophe de Chavannes, ce dernier diffuse un reportage sur la House Acid Music et la New Beat. Et justement, dans ce petit reportage, on y voit un groupe de jeunes qui dansent sur la chanson Warbeat des Bassline Boys. Et ils sont habillés en militaires nazis. Et ils font même le geste. Hein. Vous savez, je ne vais pas vous le décrire. Et donc, cela a un petit peu entaché l'image du groupe. D'ailleurs, dans le reportage, le journaliste dit, qui présentait l'émission dit exactement cela. Donc, en fait, il dit « Après le ska et le disco, voici la new beat et l'acid music. Le nouveau rythme des années 90 est arrivé. Dans les discothèques, on se déchaîne et dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est à en devenir fou. Le salut hitlérien a remplacé les déhanchements et les trémoussements et l'on célèbre à tue-tête l'ecstasy, une drogue sous forme de gélules aphrodisiaques. S'agit-il d'une mode doublée de provocation ou bien d'un délire carrément dangereux ? En tout cas, ce soir, ça va valser, yeah. » Donc, vous voyez que c'était, en fait, une description très négative, hein, de ce genre musical. Ce n'était pas cool. Et en plus, c'est la chanson des Bassline Boys, Warbeat, qui était utilisée sur ce reportage. Et donc, De Chavannes a attisé la polémique, puisqu'en effet, il a remis en question, un petit peu plus tard, dans les émissions d'après, justement, comme quoi le groupe faisait l'éloge du nazisme. Et donc, suite à cela, les Bassline Boys ont voulu donner une réponse à Christophe de Chavannes, hein, qui a entaché leur image. Et donc, ils ont samplé plusieurs extraits vocaux de ce monsieur dans la chanson « On se calme ». Et d'ailleurs, ils reprennent dans « On se calme » un petit morceau qu'ils avaient utilisé dans le titre précédent, donc « Warbeat », où ils disent « You're going to pay ». Parce qu'en effet, le « You're going to pay » qui était utilisé dans « Warbeat » était utilisé à l'encontre d'Adolf Hitler. Donc c'était adressé à lui en gros. Mais là, ce « You're going to pay » que vous avez pu entendre dans le morceau était adressé directement à Christophe de Chavannes. Une petite revanche, voilà, pour la petite histoire de « On se calme ». Maintenant, je vous propose d'écouter une chanson qui date de 2002 qui s'intitule « Tourne-toi » par un certain Benoît. Tourne-toi, 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 tourne-toi,
ce Benoît qui nous sort Tourne-toi donc en 2002, c'est un tout petit projet français qui n'a sorti que deux singles. Benoît, en fait, c'est un groupe composé d'un homme et de trois nanas. Et l'homme en question, c'est un chanteur français qui s'appelle... Enfin, son pseudo, c'était Esteban, de son vrai nom, Philippe Viala. Donc, c'est lui que vous entendez sur ce morceau. Donc, il y a plusieurs chanteuses à côté de lui. C'est celle que l'on voyait à l'écran. Mais l'une d'elles est très connue, puisque ce n'est autre que Najwa Belizel, que l'on voit aussi dans le clip, sur les pochettes de CD. C'était avant sa carrière, hein, lorsqu'elle nous sortira plus tard. Gabriel, Je ferme les yeux, etc., etc. Très bonne chanteuse. Que j'aurais pu caser dans cet épisode, mais il serait très long. Voilà. Donc, par rapport à ce Benoît, il est produit par Christophe Cazanave et Jean-Michel Bacou. Et d'ailleurs, à la guitare, on retrouve Philippe Russo, un chanteur des années 80, qui avait cartonné à un moment donné avec la chanson « Ta magie noire ». On poursuit avec une chanson de Cool James and Black Teacher que je vous ai déjà fait écouter, pas cette chanson-là, mais via une autre chanson, dans une pause musicale. Oui, parce qu'il y avait la chanson Dr. Feelgood, je ne sais pas si cela vous parle. Très bonne chanson que j'en ai profité de vous faire passer. Et justement, ils sortent un album qui s'appelle Zooming You en 1994. Et oui, l'un des deux rappeurs parlait en français. D'ailleurs, dans Dr. Feelgood, il y avait un couplet en français rappé. Et il y a une chanson dans cet album Zooming You, sorti en 1994, qui s'appelle Madame Formy. Il y a du français dedans, c'est de l'eurodance. J'en profite pour vous le diffuser. Madame Formy de Cool James and Black Teacher, qui date de 1994.
Même si on a du mal à comprendre, je vous assure que le rappeur rappe en français dans les couplets. Allez, on poursuit avec un des rares sons EDM. C'est un titre qui date de 2010 du groupe Hold Up avec la chanson Envie de toi. Hold Up qui est un petit projet EDM composé du DJ donc Benjamin Braxton qui est originaire de Grenoble. Et donc il a eu aussi une carrière en tant que DJ à son propre nom, Benjamin Braxton. Il a d'ailleurs collaboré avec la chanteuse Neja, chanteuse Eurodance. Et pour Hold Up, il collabore avec la chanteuse et mannequin brésilienne et vocaliste qui s'appelle Kat. Et c'est elle avec son accent, hein, son petit accent que l'on entend sur le morceau Envie de toi et que je vous invite à regarder aussi le clip qui est très sympa à regarder. Allez, Envie de toi de Hold Up, donc avec Benjamin Braxton et Kat qui sort en 2010. D'ailleurs, Kat avec Benjamin Braxton va sortir d'autres titres où elle posera sa voix sexy. Et Benjamin Braxton, justement, sortira en 2010 un album qui s'appelle tout simplement Hold Up Party, où vous retrouvez Envie de toi, entre autres. Allez, on poursuit avec... en 1977, un certain Roger Allen François Jouret sort un tube rock. Oui, de rock, hein, mais ce n'est pas du rock que vous avez écouté, ne vous inquiétez pas. Quoique si, il y aura une grosse pointe de rock. Mais qui est ce Roger Allen ? On le connaît mieux sous le nom de Plastic Bertrand, chanteur belge, surtout aussi de la scène disco. Et donc, pourquoi je vous parle de lui ? Puisqu'en fait, en 1993, une rappeuse suédoise va reprendre ce titre avec son accent très cassé, vous allez le voir, mais cela fait son charme, je trouve. Donc la chanson s'intitule « Ça plane pour moi ».
un tube iconique, et Leila Kay reprend ce titre, donc en 93. Et si vous voulez en savoir plus sur cette rappeuse suédoise d'origine marocaine, je vous propose d'écouter l'épisode numéro 46 de Roden Story. Allez, ça plane pour moi, de Leila Kay, sorti en 93. Ça tombe bien, c'est la pause. Pause. Musicale. Aïe, et enfin, on arrive à la pause musicale où je vais tenter de vous faire découvrir ou aimer des chansons Eurodance qui n'ont pas eu la chance d'être des tubes chez nous en France et qui méritent d'être écoutées par vos magnifiques petites oreilles. Et je vous propose d'écouter, pour commencer, une jolie chanson Eurodance qui date de 1993, qui s'intitule « Can You Feel It » du groupe Matrix. Can you feel it in the air?
Alors, can you feel it, this song? Moi, oui, j'aime bien cette chanson, ce petit projet Eurodance qui n'a sorti que trois chansons, malheureusement. Un projet allemand, produit par un certain David Novick. On entend deux voix que sont le rappeur Eric Gould et la chanteuse s'appelle Natasha Memon. Elle est connue pour avoir été la vocaliste du chanteur d'Italo-Disco Gazebo. Voilà, donc jolie chanson. Ils n'ont sorti que trois singles, comme je vous l'ai dit. Et un album devait sortir, parce que cela marchait plutôt bien en club. Mais cela ne se fera pas, puisque des problèmes de droit entre le producteur et le label RCA Records ont empêché la production de cet album. Bref, on poursuit avec la chanson suivante. Juste pour info, Can You Feel It, là, que vous venez d'écouter, j'ai oublié de vous le préciser, possède une pléiade de remix hein, pour une chanson méconnue. Il y a même des versions jazz, ballades, et des versions plus speed. C'est intéressant de les écouter les uns après les autres. Bref, on poursuit avec une très belle chanson, New High Energy, qui date aussi de 93, la même année que celle de Matrix. Mais là, c'est un certain Kada Cruz. Make your eyes open and the ears real clear. Move your butt to this beat, please stop run. I can't see the dribbles in the beat. Just feel the bass coming up to your head. Just like a dog kicking wolves to a cat. Your chance to make friends. I'm the judge and I keep telling ya that this is cool and I'm not selling ya. 100,000 of this song. I'm not an actor, don't get me wrong. I just need the one and only chance to give the beat and I sound to a dancer. Energy is burning. With my new high energy at night. It's so electric, it's so free. I just wanna feel this new high energy. It's so electric, it's so free. I just wanna feel this new high energy. Energy, 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 baby, yeah. Energy, 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 baby, yeah. Energy, 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 baby. Energy de Kada Cruz a été un tube en Israël puisqu'il a atteint la place numéro 6 des ventes de singles. Kada Cruz, un petit projet Eurodance allemand qui a sorti 4 singles et New High Energy est leur premier titre, leur plus gros hit. Un groupe allemand donc produit par deux gars que sont Bernd Schauler et Alexis Schaar. Le rappeur en a son nom, celui que vous avez entendu, il s'appelle Terry Cromwell.
malheureusement aucune info sur le nom de la chanteuse, même si j'ai essayé de contacter les deux producteurs, mais sans réponse. Ce ne sont pas tous qui répondent aux requêtes. Voilà. Donc, sinon, il existe un clip. C'est peut-être celle qui est dans le clip. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui disaient que Kada Cruz, hein, c'était justement le nom de la chanteuse, enfin le pseudo, tout simplement, de la chanteuse. Moi, je dirais plus que c'est le nom du projet, mais quoique, on ne sait jamais. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas de crédit en plus de son nom pour la vocaliste féminine. Enfin, je ne comprends pas pourquoi on créditerait le rappeur et pas la chanteuse, par exemple. Cela fait bizarre. Donc, je me dis que peut-être que si elle n'était pas créditée, c'est parce que Kada Cruz était le nom associé à la femme qui représentait le projet. Mais à enquêter. Peut-être qu'un jour, j'aurai une réponse d'un des deux gaillards, qui sait. Voilà, mais je voulais en profiter pour vous la faire écouter parce qu'elle vaut le coup d'oreille, n'est-ce pas ? Allez, mais comme on est épisode 100, je me permets une écartade. Je vais vous passer un troisième titre, un très très bon titre, dans la pause musicale. Oui, l'épisode sera long, mais c'est l'épisode 100, vous m'excuserez, j'espère. Donc, c'est la chanson avec une voix pas méconnue, une voix que je vous ai passée à plusieurs reprises dans le podcast. Je ne vais pas vous la nommer, espérant que vous la retrouverez. Mais je pouvais vous dire le nom de ce projet et de la chanson qui sortait en 95. La chanson s'intitule « Kiss Me ». Chantée par une certaine Xeya. Touche-moi, t'entraîne, je te veux, dis-moi rien. Regarde-moi, quoi t'attends, pense-moi, pense-moi, baisse-moi, bâche-moi. Pense-moi, baisse-moi, bâche-moi.
C'était Kiss Me de la chanteuse Xeia. Moi, je kiffe et j'espère que vous aussi. Alors, Xeia, c'est une artiste italienne qui a sorti aussi une dizaine de singles. Malheureusement, pas d'album. Peut-être que j'en passerai d'autres dans les pauses musicales ou peut-être un épisode story à la longue, on verra. On verra d'ici là. Donc, son vrai nom, oui, parce que c'est un personnage qui existe. Hein, ce n'est pas, juste une image. C'est une certaine Simona Attanasio. Donc, qui a débuté sa carrière musicale en 1987 et qui a sorti une dizaine de titres, comme je vous ai dit, jusqu'en 1997. Kiss Me est l'un des derniers, et même si elle a chanté sur certains de ses titres, sur Kiss Me, ce n'est pas sa voix que vous avez entendue, puisqu'elle a dû vous paraître familière. Par contre, Xeia, la chanteuse de ce projet, hein, puisque c'est le nom qu'elle adopte en pseudo, mais qui est un projet italien, elle a quand même composé la musique de ce Kiss Me que vous venez d'entendre. Elle a mixé, elle a arrangé à la sauce qu'elle le voulait bien. Normal, elle le chante à son... Enfin, elle interprète le lip-sync, plutôt, je devrais dire, à son nom. Donc voilà, et elle a bien fait le travail, puisque la partie mélodique est très intéressante pour ce qui est de l'Eurodance. Et c'est un projet produit par des Italiens, et elle a participé sur ce morceau avec, par exemple, Gianluca Loy, ou David Di Marcantonio, ou encore Max Bondino. Voilà. Mais qui se cache derrière la voix de ce Kiss Me, puisque, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la vraie voix de Xeia, qui a écrit la chanson d'ailleurs, Xeia. Elle a écrit les paroles également. C'est alors, je vous laisse dire, mais je n'aurai pas votre retour, ce n'est autre que la chanteuse italienne Clara Moroni, la voix féminine, par exemple, du groupe Antares, Why Don't the Meteorite, par exemple, la voix féminine de Radiorama ou de plein de projets Eurobeat. Je ferai un de ces quatre, un épisode Voice, rien que sur elle, je l'espère, sur Clara Moroni, puisqu'elle a sorti pas mal de bons titres, dont le Kiss Me, où elle pose sa voix dans l'ombre, tout simplement, puisqu'à l'image, hein, c'est Xeia que l'on voit. Voilà. Et donc, j'espère que vous avez apprécié cette longue pause musicale. Montrer à ceux que j'aime, oh combien tout ça m'était inscrit en moi. Les fils, les contents, les pièges de ces gens, les obstacles devant, je passe au travers. Les mots lourds et blessants, les langues de serpents ne sont qu'une suite de paroles en l'air. Papillon de lumière sous les projecteurs. Revit dans vos cœurs.
j'étais obligé de le mettre, hein, c'est de la dance music, mais j'ai fait exprès de ne pas vous l'annoncer. Papillon de lumière de Cindy Sander. Après, tout n'est pas de la même qualité, hein, dans cet épisode. D'ailleurs, tout ce qui est en français en général, pour qu'il soit qualifié de très bon son, c'est très rare dans l'Eurodance. Mais il y en a, hein, comme avec Ita Faro, par exemple, tout à l'heure, entre autres. Mais là, donc, c'est Cindy Sander, donc, une chanteuse française qui est originaire de la Moselle. Et elle a été connue justement en 2008 via l'émission Nouvelle Star, où elle a échoué assez vite. Elle est devenue vite un phénomène sur Internet, ce qui l'a repropulsée sur le devant de la scène. Elle est revenue via ce titre, Papillon de Lumière, une chanson qui a été distribuée par le label M6 Interaction. Normal, hein, l'émission Nouvelle Star appartient à cette chaîne. Une chanson écrite par Philippe Messberger et Thierry Brenner. Voilà, elle est sympathiquement drôle, cette chanson. Voilà, cela me fait plaisir de la mettre quand même dans cet épisode. Allez, on poursuit. Joli garçon d'une certaine Lolita qui sortait en 2010. C'était Joli Garçon de Lolita, ou de Lolita Jolie aussi, on l'a retrouvée sous ses deux pseudos. À mon avis, elle avait dû renommer son pseudo initial Lolita en Lolita Jolie, parce que peut-être qu'il y avait d'autres artistes qui possèdent déjà ce nom de scène. On va savoir, c'est souvent comme ça quand on voit un artiste rajouter un petit mot dans son nom de scène. Bref, Joli Garçon, c'est interprété par une Allemande, je pense, hein, c'est une certaine Claudia Sisleck. Alors, je pense que c'est une Allemande parce que c'est un projet allemand, ce Lolita Jolie, que sont composés, écrits et produits par trois gars que sont Danny Succo, Kent Baze et Sean Bate. Mais Lolita Jolie ne s'arrêtera pas là parce qu'elle aura en tout 7-8 singles où la plupart du temps, elle chante même encore en français avec son joli
accent. Voilà, donc on poursuit avec un tube de 1990, hein, c'était à l'époque de la New Beat, Hip House, etc., époque technotronique. Je ne pouvais pas passer à côté de ce titre, enfin ne pas l'incorporer dans cet épisode, même si ce n'est pas purement Eurodance, mais c'était aux prémices de l'Eurodance que sort ce titre. C'est la chanson « Vous êtes fou » d'un certain Benny B. Qui l'accompagne? Benny B, B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. Comme toi je veux la justice, j'essaie de défendre mes droits. Partout où tu vois la poule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers, soi-disant mal fréquenté, où la PJ est passée trois quarts de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette vie-là. Et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi. Mais vous êtes fou. Oh oui. Mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou. Oh oui. Mais vous êtes fou. Quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui hier qui restent là à ne rien foutre, moi je crie colère. Car tous ces façons ne savent pas qu'il reste encore une chance. Sinon nous rien à cirer, pour eux ça n'a pas d'importance. Mais je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le move est fort. Qu'une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Mais vous êtes fou. Oh oui. Mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou. Oh oui. Mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou. Oh oui. Mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou. Je fais partie des b-boys, c'est un style qu'on redoute. À la radio, à la télé, si jamais tu nous écoutes. Je veux que tu penses à nous et que tu dis pas pour tous les gens qui nous aiment pas. Que poursuivra notre route, oui c'est du rap français. Plus fort que jamais, apportant avec lui le fond de tous ces secrets. Que nous les b-boys, on peut s'empêcher d'écouter. Si tu comprends pas, c'est que t'es pas branché. Ladies and gentlemen, DJ, mais vous êtes fou. Oh oui. Mais qui l'accompagne? Benny B. Mais vous êtes fou. Oh oui. Mais vous êtes fou. Oh oui. Mais vous êtes fou. Oh oui. Mon nom à moi c'est Benny B, le b-boy le plus tendre. Je chante ma chanson à qui veut bien l'entendre. Je trouve de nouveaux beats, de nouveaux tubes étonnants. Et crois-moi bien, d'ici peu je serai le plus grand. Car je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le move est fort. Qu'une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Oui, à tous ces bailleurs que le move est fort. Qu'une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Yo. Mais vous êtes fou. Oh oui. Mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou. C'était un méga tube à l'époque, même si cela a été un petit peu moqué par la suite, mais cela a marqué la musique, hein, la dance music, même le hip-hop hein, d'une certaine manière, puisque c'est un petit peu un mélange des deux genres. Benny B, de son vrai nom Hamid Garbaoui, qui est né à Bruxelles en 1968, il est né à Bruxelles comme moi, mais je ne suis pas belge. Bref, c'est Vous êtes fous, c'est le premier titre de ce monsieur, mais il n'était pas seul en fait, hein, parce qu'il était accompagné toujours de deux gars, que son DJ dédié, de son vrai nom Alain de Proust, qui était lui à la prod et aussi aux compositions musicales de leurs titres, et du danseur hein, qui s'appelait Perfect, son nom de scène. Et donc, Vous êtes fous est le premier d'une lignée de petits hits, hein, puisqu'ils feront par la suite, par exemple, Parce qu'on est jeune, Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Dis-moi bébé, qui ont plus ou moins marché, mais ils ont été critiqués sévèrement, je trouve, par les gens du métier, parce qu'ils ont été jugés trop commerciaux pour du hip-hop. Mais bon, bref. Ils n'en ont pas à en avoir honteux, cela a marqué une époque. Voilà. Ils ont marqué la musique via leur tube dont « Mais vous êtes fous ». Enfin, je dis « Mais vous êtes fous », le titre c'est « Vous êtes fous », exactement. Voilà, donc sinon, il faut savoir que ce « Vous êtes fous », qui sort en 90, a été parodié la même année par une nana qui s'appelle Suzy D, qui reprend le titre et rechange les paroles, bien entendu, pour en faire « Mais vous êtes sotte ». Sotte, voilà. Et donc, cette Suzy D, de son vrai nom Suzy Nagy, donc, n'a sorti que ce titre sous le nom de Suzy D. Sinon, elle aurait collaboré sur une autre chanson qui s'intitule « L'amour pour l'amour », mais que je n'ai pas réussi
à mettre la main dessus. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai jamais entendu. Alors, on s'écoute justement un extrait de « Mais vous êtes sotte » qui sort la même année que « Vous êtes fou » de Benebi. Mais là, c'est par Suzy Di. Donc on poursuit où on revient en 1986, j'avais 10 ans, vous n'étiez pas né certainement, où une certaine Claudie Fritsch-Mentrop, chanteuse française qui est née en 1952, va être numéro 1 du top 50 avec un certain tube qui s'intitule Voyage, Voyage. Pourquoi je vous parle de ce tube-là ? Tout simplement parce qu'il sera repris en 2007 façon Eurotrance par notre Belge de tout à l'heure, la princesse de l'Eurotrance belge, à savoir Kate Ryan, celle qui est à gauche hein, sur la photo d'illustration. On a entendu tout à l'heure sa reprise de Désenchanté de Mylène Farmer. Maintenant, c'est au tour de Desireless d'être reprise par Kate Ryan. On écoute Voyage, Voyage. De nuages en marécage, de vent d'Espagnol puis d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage.
Ensuite, je vous propose de découvrir un titre qui est certainement inédit, pour vos oreilles. C'est une chanson qui s'intitule « Embrasse-moi » qui date de 1996, chantée par Madison. C'est un produit français. Alors, qui est cette Madison ? Alors, elle vous est peut-être inconnue. Elle l'est certainement parce qu'elle n'a sorti que 3 titres durant sa carrière. « Embrasse-moi » est le 3e. Les 2 premiers titres sont en langue anglaise, « Borderline » et « Just Do It », qui n'a rien à voir avec la marque Nike. Mais qui est cette Madison ? En fait, sa sœur est plus connue qu'elle parce que ce n'est autre que la sœur de Marlène Moureau. Marlène qui était une actrice et showgirl française dans les années 90, qui avait fait aussi un petit peu de l'eurodance, mais en langue anglaise. Elle avait sorti, par exemple, le titre Explosion, qui avait plus ou moins bien marché en club. Elle est Marlène Moureau, et c'était aussi sulfureuse, parce qu'elle était réputée pour avoir posé dans le magazine Playboy. Mais pour vous dire vrai, pour les 2 premiers singles, ce qui est sûr de Madison, donc la petite sœur de Marlène, ce n'était pas sa voix, c'était une certaine Annick Tangora. Alors sur Embrasse-moi, je suppose que c'est la vraie voix de Madison. Bon, je n'ai pas eu la confirmation, mais je pense que oui. On avait un petit peu la même chose chez TH Express avec Fauve, où elle avait posé sa voix sur quelques pistes de l'album de TH Express en français, vite fait. Donc là, Embrasse-moi, on va entendre Madison. Et pour info, elle avait même participé à l'émission 40 degrés à l'ombre, une émission qui passait souvent sur France 3 l'été, chaque été, où il y a pas mal d'artistes eurodance qui sont passés. Donc on écoute Embrasse-moi de Madison, sorti en 1996. Regarde-moi, mais ne dis pas que je
Continue avec une chanson de dance music qui date de 90 et qui va sampler les voix de deux commentateurs de football que sont Jean-Michel Larqué et Thierry Roland. Donc les connaisseurs de ce sport savent très bien de qui je veux parler, mais leurs voix vont être utilisées pour faire le joli hit, parce qu'il va marcher correctement en France en tout cas, qui s'intitule « Il suffit d'un ou deux excités ». Par le projet Foot Brothers. Là. Il suffit d'un ou deux excités. 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 Dur, dur, dur. Ah ouais, ça c'est un peu dur. Dur, dur, dur. Ah ouais, ça c'est un peu dur. Mais ça n'ira pas au bout. Dur, dur, dur. Oula. Ah oui, oula, ça c'est pas bien. C'est pas bien. Ça c'est pas bien. Ah oui, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Dans le feu de l'action, certes, mais pas bien. Ah. Ouh. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Ouh. Ah, ça c'est son côté favori. Eh oui. Eh oui. Ah, par derrière, estime monsieur l'arbitre. Ah ouais, ça c'est un peu dur. Carton jaune. Il suffit d'un ou deux excités. Il suffit d'un ou deux excités. Il suffit d'un ou deux excités. Tant que c'est chaud, ça a l'air d'aller. C'est bien fait. Oh que c'est bien fait. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est bien fait ça. Oh oui, bien. Dans le bon timing. Bien parti en tout cas. Bien donné. Donné. En profondeur. Oh. Retrait et Oulala. Il suffit d'un ou deux excités. Il suffit d'un ou deux excités. Il suffit d'un ou deux excités. Et le coup de sifflet final de monsieur l'arbitre. Il suffit d'un ou deux excités. Il suffit d'un ou deux excités. On peut dire que c'est un petit peu à la manière des Boston Boys, sortis un petit peu à la même période avec leur On se calme. Il suffisait de prendre des voix issues d'émissions de certains animateurs, chroniqueurs, commentateurs, et d'en faire un petit joli hit. Et ça a plutôt bien marché pour cette chanson des Foot Brothers. Alors Foot Brothers, cette chanson est produite par trois gars que sont Olivier Maslow, donc c'est un projet français, hein, vous l'avez deviné, par Gérard Langella, qui a bossé avec Léna, d'ailleurs, au passage, et par un certain Bernard Wantier. Mais qui est ce Bernard Wantier? Vous le connaissez certainement, puisque ce n'est autre qu'un des membres des Musclés. Salut les Musclés, vous connaissez la série qui a précédé Hélène et les garçons, Premier baiser, etc. Et ce Bernard Wantier n'est autre que le Bernard Minet, qui chantait les génériques de dessins animés, comme Bioman, entre autres, voilà. Donc, il était derrière ce petit projet qui était les Foot Brothers, hein, qui veut tout simplement dire frères de foot. Alors, il y a eu un autre
titre hein, qui est sorti après, qui a moins marché, qui s'appelait « Ohé, allez, l'OM ». Allez, on poursuit avec une chanson de 1997. On retrouve notre chère Ita Faro, donc chanteuse française, je vous le rappelle, où elle nous sortait cette année-là, en 97, un titre qui a servi d'intro dans mon épisode, qui s'appelle tout simplement « Parlez-vous français ». Sympathique, hein, ce « Parlez-vous français », j'aime beaucoup. D'ailleurs, tiens, je vais peut-être l'utiliser comme titre d'épisode. « Parlez-vous français ». Cela rejoint très bien le thème du 100e épisode de Roden Story. Bon, sinon, dans les années 2000, nous avions un phénomène Jordi hein, qui s'est répété, mais de manière féminine, puisque, en effet, en 2004, une jeune gamine qui s'appelle Ilona Mitrecet, qui est née pour info en 1993, donc elle avait à peine 11 ans, sort Un monde parfait. Cela doit parler aux plus jeunes d'entre vous. Et en fait, pour info, cette jeune interprète a sorti deux albums et presque une dizaine de singles, je crois 7 ou 8, donc, dont Un monde parfait qui a eu le meilleur succès. Pour info, le single s'est vendu à 1 500 000 exemplaires en France, ce qui fait le meilleur single de l'année 2005, tout simplement, même s'il sort exactement en 2004, au tout début. Alors, hein, ses parents étaient dans le métier de la musique, son père travaillait à Canal+, enfin, il était chanteur dans un groupe de Canal+, exactement, voilà.
Et sa maman aussi était dans le métier des médias, il me semble, des bouquins. Voilà. Donc, on va s'écouter quand même un petit extrait parce que ça a été un phénomène. Hein. Après qu'elle ait eu du succès, il y avait pas mal d'enfants qui ont suivi. Je ne vais pas vous les mettre tous dans cet épisode. Il fallait juste que j'occase un exemple de ce phénomène-là. Et bien entendu, je ne mettrai pas toutes les chansons qui sont sorties après, dans les années 2000, après les Crazy Frog, etc. Vous savez, les chansons sur moi, le hamster, ou je ne sais plus quoi, là. Enfin, il y a eu des tas de chansons sur des animaux. Donc ça, je ne vais pas les caser dans cet épisode qui sera déjà très long, plus de 3 heures, vous verrez. Donc on s'écoute Un Monde Parfait de Ilona Mitrecet, qui sort en 2004, mais qui va cartonner en France en 2005. Ce matin, j'imagine un dessin sans nuage, avec quelques couleurs comme vient mon pinceau. Du bleu, du rouge, je me sens sage comme une image, avec quelques maisons et quelques animaux. Ce matin j'imagine un pays sans nuages, où tous les perroquets ne vivent plus en cage. Des jaunes, des verts, des blancs, je mets ce qui me plaît, car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait. Un oiseau, un enfant, une chèvre, le bleu du ciel, un beau sourire du bout des lèvres, un crocodile, une vache, du soleil, et ce soir je Donc je pense que ça vous rappelle certainement des souvenirs, même si ce n'était pas ma tasse de thé perso. Mais je vous ai dit que c'était un peu comme Jordi, parce qu'en effet, elle est... enfin, Jordi c'était plus un bébé, j'ai exagéré. Elle avait quand même déjà 11 ans, même si c'était encore une fille. Elle n'était même pas encore ado. Et par contre, elle n'a pas eu le même destin que Jordi, dans le sens où le père de ces derniers a dilapidé son argent. Elle non, elle a tout simplement décidé de mettre un terme définitif à sa carrière de chanteuse en 2007. Même si apparemment elle a une sœur et un frère hein, qui ont chanté les chœurs de certains des titres de ces deux albums. Voilà, là, pour info, elle a sorti d'autres chansons comme C'est les vacances ou Dans ma fusée, etc. Allez, maintenant une autre bizarrerie de l'Eurodance. Alors, je ne vais pas vous dire le nom parce qu'en fait, je vous en parle juste après l'écoute de cette chanson, parce qu'en fait, c'est un titre qui a en fait la fusion de l'Eurodance et du monde politique. Et oui, même la politique française s'y est mise. Quoique, vous comprendrez un petit peu, ce n'est pas tout à fait vrai, mais cela concerne un politicien français très connu de chez nous, puisqu'il a été président. Et oui, donc on va s'écouter. Ah non, j'ai dit que je n'allais pas vous dire le titre.
écouter ce morceau. Je vous donne le nom juste après. Découvrez ensemble quel président a été utilisé dans une chanson de l'Eurodance. C'est parti. Vous avez reconnu, j'espère, même les plus jeunes. C'est notre Jacques Chirac qui est concerné par cette chanson. Alors, comment s'appelle ce morceau, si vous voulez vous le procurer? Il s'appelle F.Chirac, ce qui veut tout simplement dire un fuck Chirac. Bon, je peux le dire, je peux dire des gros mots ici, je serai pas censuré, mais c'est bon, c'est en anglais. Bref, le projet s'appelle le Camembert Radioactif. Et oui, donc il n'a sorti qu'une chanson, ce F. Chirac. Et contrairement aux apparences, ce n'est pas un projet français. Et non, c'est un projet allemand, une chanson qui est écrite et composée et produite par trois gars que sont Marcus Lenz, Marcel Becker et Stéphane Heller. Et d'ailleurs, sur la pochette de CD, il y avait écrit la mention Élysée avec le numéro du fax de l'Élysée. Alors en fait, pourquoi cette chanson? En fait, c'est une protestation contre la fameuse histoire de Chirac et ses tests nucléaires à Mururoa, voilà, par Jacques Chirac en 95 justement, et cette chanson sort juste après. Voilà, donc c'était une chanson de protestation par les Allemands. Et d'ailleurs, pour rappel, Chirac a été notre président deux fois de suite, de mai 95 à mai 2007. Allez, on retrouve aussi un personnage qu'on a écouté avant la pause musicale, le front guy de Pleasure Game, Philippe Daunt,
qui a débuté sa carrière, en gros, entre autres, par exemple, dans l'animation radio. Il était DJ sur Radio FM Galaxy. Et donc là, on le retrouve sous un autre groupe, sous un autre projet, je devrais dire. Un personnage qui s'appelle Boris, cela vous parle, avec sa fameuse soirée disco. Eh bien, Boris, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, via la radio, c'est en 92, Philippe Dompte invente ce personnage, Boris, et va l'utiliser dans de nombreuses histoires qu'il va raconter aux auditeurs. Puis va s'en servir quelques années plus tard, donc en 95, 3 ans plus tard, grosso modo, pour créer le projet musical Boris, avec une partie de l'équipe de Pleasure Game, puisqu'en fait, cette chanson, la soirée disco, va être écrite et composée par Benoît Marissal, Philippe Dompte, aussi Bruno Van Gars, qui était dans Pleasure Game, producteur, voilà. Et c'est en fait, ils se retrouvent entre amis, hein, tout simplement. Cette chanson va être un tube. Elle va atteindre la première place du top 50, eh oui. Sinon, elle sera utilisée, cette chanson, la soirée disco que je vais vous mettre de suite après, elle va être utilisée comme générique pour l'émission La Fureur du samedi soir, animée par Arthur, que vous connaissez certainement. Et dernière anecdote concernant cette soirée disco, c'est que dans le clip de cette chanson, on retrouve Nathalie Vincent, hein, qui était, je vous le rappelle, chanteuse chez les Pleasure Games, puisque c'est elle qui chantait sur la reprise Eurodance de Capitaine Flamme. Voilà, donc on s'écoute la soirée disco de Philippe Dompte, mais oui, c'est de Boris. Donc Philippe Dompte qui pose sa voix, hein, pour ce morceau. C'est le gars que vous voyez sur la photo d'illustration. Soirée disco qui sortait en 1995. Ce soir, Boris est chez lui. Il a éteint toutes les lumières. Il a son petit pantalon à pattes rouge, pompe blanche. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, chez Boris, événement, c'est soirée disco. Boris, on peut l'appeler ce soir, il s'en fout, il a débranché le téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Go, 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 show Boris. It's so
Terrence is in the mix with DJ Boris. Boris, il sortira d'autres singles comme Miss Camping ou La Lettre, mais ces derniers titres n'auront pas le même succès que La Soirée Disco. Miss Camping un petit peu, mais pas autant. Allez, on poursuit avec un groupe que je vous ai déjà traité en épisode story, puisque c'est le groupe, on va dire, franco-allemand, puisqu'il s'agit de French Affair, avec la chanteuse Barbara Alcindor et les deux frères Dreyer en producteur. Eh bien, elle posait sur ses morceaux parfois en français. Il y a une chanson où elle chante beaucoup plus en français que ses autres titres. C'est la chanson « Comme si, comme ça » qu'elle sort en 2003. Quand tu n'es pas là, ma vie devient triste. Je pense à toi chaque jour, j'espère que tu reviens. Quand tu es avec moi, c'est l'amour que je vois. Où tu joues avec moi, je veux savoir ce que tu sens. Je veux savoir ce que tu sens. Je veux savoir ce que tu sens. Parfois quand l'amour vient, elle te tourne la tête. Mais quand elle repart, tu pleures la nuit, le jour. Parfois c'est oui, oui, oui. Parfois c'est non, non, non. C'est comme ça que l'amour vient. Je veux savoir ce que tu sens. Je veux savoir ce que tu sens. Je veux savoir ce que tu sens. But then I look in your eyes. Comme ça, one day I feel so high. Next day I wanna cry singing. Ooh la la, la 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 la. Je suis folle de toi. Please don't break my heart. Ooh la la, comme si, comme si, comme ça. One day I feel it's love. Next day it's not enough. It goes un, deux, trois. Comme si, comme si, comme ça. One day I feel so high. C'était donc la French version de Comme c'est comme ça de French Affair. Sinon, en 1965, Serge Gainsbourg va écrire une chanson pour une certaine France Gall, que vous connaissez certainement, qui nous a quittés malheureusement il n'y a pas longtemps, paix à son âme. Et en fait, elle va chanter à l'Eurovision, où elle va représenter le Luxembourg via cette chanson écrite par Serge qui s'intitule Poupée de cire, poupée de son, et elle va gagner le Grand Prix pour ce pays qui lui permet d'obtenir la deuxième victoire, donc au Luxembourg, via ce concours. Et je vous parle de cette chanson, puisqu'en 1998, une certaine Belge va la reprendre façon Eurotrends,
Vous l'avez entendu déjà avant la pause musicale, il s'agit de notre chère Kim Kay qui nous avait chanté Lilali, souvenez-vous. Eh bien, elle reprend Poupée de cire, poupée de son qui marche très bien, même si elle est très très courte. Cette chanson, je vous propose de l'écouter tout de suite. Concernant Fauve de TH Express, la blonde, la front lady, qui faisait du playback sur les voix d'Anerly Gordon et Jackie Bodymead pour ce groupe TH Express, a eu deux singles en solo en dehors de ce groupe. Mais dans ces deux singles solo, c'est sa propre voix qu'on peut entendre sur ces morceaux. En 98, elle va après avoir quitté les TH Express. C'est une chanson qui s'intitule « El sol me quema », certainement de l'espagnol, hein, pas de l'italien. Mais avant d'atterrir chez les TH Express, elle avait un titre en solo qui s'intitule « Tu veux ou tu veux pas ». Donc on va se l'écouter, c'est intéressant, comme ça vous entendrez encore mieux sa voix. Et son vrai prénom serait Isabelle, hein, pour Fauve. Et ce serait une Parisienne. Alors, plus de nouvelles d'elle depuis des années. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, malheureusement. Voilà, elle était modèle également. Elle aurait eu une carrière aussi de dentiste, selon sa participation dans l'émission C'est mon choix. À l'époque, elle était venue sous le nom d'Isabelle. Mais on l'a vite reconnue, hein, les fans de l'Eurodance ont vite fait le lien avec TH Express. Elle a même joué dans une émission érotique. Voilà. Donc on va s'écouter Tu veux ou tu veux pas, qui sortit en 1993 de Fauve. Tu veux ou tu veux pas, tu veux c'est bien, si tu veux pas tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui mais voilà, réponds-moi non ou bien oui, c'est comme si ou comme ça. Tu veux ou tu veux pas. La vie, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne direction. La vie, elle est là, elle nous appelle. Avec toi, elle sera belle. Si tu viens blanc, mais ce n'est pas noir et blanc.
Allez, un petit bonus dans cet épisode, on va retrouver le groupe Pleasure Game, le groupe pour lequel était membre Philippe Dont, que j'ai évoqué déjà à deux reprises dans cet épisode. Alors ce groupe-là a sorti plusieurs titres, hein, comme Le Seigneur des Ténèbres, Captain Flamme, dont je vous ai déjà parlé, Chérie je t'aime, Activer les plaisirs, mais on va s'écouter un titre de 93 qui s'intitule Le petit chien qui fume.
Je ne serais pas étonné que le petit enfant, quand l'on entend répéter « C'est le petit chien qui fume », soit Jordi. Même voix. Alors, j'ai fait des petites recherches, je n'ai pas retrouvé des crédits en son nom sur ce titre. Mais les crédits du petit chien qui fume ne donnent aucun nom de toute façon pour ce petit garçon. Voilà, donc à mon avis, il y a de fortes chances que ce soit Jordi. Je vous reconfirmerai si un jour j'ai des réponses à ce sujet. Ensuite, on va faire un saut dans le temps jusqu'en 2006, puisqu'on va étudier un petit one-shot. Une chanteuse qui s'appelle Lovina, qui sort un titre que j'ai beaucoup aimé, beaucoup écouté à l'époque, je connaissais même par cœur, qui est très simple, très facile dans les paroles, très léger, même avec des sous-entendus, je dirais. C'est la chanson 1, 2, 3, J'irai au bois. Et en fait, donc, cette chanson, elle a été faite en collaboration avec Patrick Ampartzoumian et Irène Beau. Donc c'est un petit projet français. Malheureusement, je ne vais pas vous dire le vrai nom de la chanteuse. Pourquoi ? J'ai envie de vous laisser deviner. Parce qu'en fait, c'est une chanteuse de la variété française qui pose sa voix sur un titre dance sous un nom, elle s'est essayée, hein, sous le nom de Lovina. Donc essayez de deviner quelle est la chanteuse française qui est connue en France. Hein. Ce n'est pas une chanteuse d'envergure à la Céline Dion ou Lara Fabian. Mais essayez de deviner. Voilà, et découvrir en même temps la chanson de Lovina et son 1, 2, 3, J'irai au bois qui sortait en 2006. Moi je veux tout, le fruit, la fleur me prend pas chou. Moi je veux tout, des grands bonheurs, pas des petits bouts, des poèmes. Pas mal, hein, ce son, non ? Enfin, moi, je trouve qu'il a bien vieilli, même s'il est plus récent que les autres titres Eurodance de l'époque des années 90. Alors, la chanteuse, l'avez-vous reconnu ? Qui se cache derrière Lovina ? Eh bien, il s'agit de Vanessa Annelise F. Garcin.
Eh oui. Vous allez me dire, c'est qui? Mais si vous la connaissez, forcément, je mets ma main à couper que vous la connaissez. Puisque Vanessa Annelise Eve Garcin n'est autre que Eve Angeli. Celle qui avait chanté, entre autres, « Avant de partir » et qui s'est qui a fait encore beaucoup plus de bruit à l'époque des téléréalités lorsqu'elle avait participé à la ferme célébrité, comme Jordi. Mais ce n'était pas la même session de casting. C'était la première édition, je dirais même, de la ferme célébrité, où elle est arrivée jusqu'en finale. Voilà. Donc, Evangélie, vous la connaissez. Et bien voilà, c'est elle qui avait posé sa voix sur ce morceau de Lovina. Et je trouve qu'elle s'en sort très, très bien. Allez, ensuite, tout à l'heure, avant la pause musicale, je vous ai parlé d'un certain Johnny Williams, un producteur français de son vrai nom, Harry Verschuer, puisqu'il avait produit la chanson de, souvenez-vous, de d'Amae avec Corps à Corps, chanson Eurodance qui était très méconnue. Mais là, il a sorti un autre son encore français, Eurodance, qui n'a pas très bien marché, qui n'a pas fait donc du bruit du tout, mais qu'il faut que vous écoutez quand même, c'est la chanson « Ne m'oublie pas ». Pour ce titre-là, il va collaborer avec un certain Lui Element, de son vrai nom, Lui Corté, DJ originaire de Metz, qui a bossé entre autres avec B1 et aussi Miranda. Souvenez-vous, Miranda qui est passée dans la pause musicale avec Vamos a la Playa. Eh bien, De Nature, c'est le groupe De Nature qui va produire tous les deux avec la chanson Ne m'oublie pas, et ils invitent une chanteuse qui s'appelle Nathalie. C'est la blonde, hein, que l'on peut voir sur la pochette de CD. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver d'autres infos sur elle, si ce n'est que son nom de scène, Nathalie, qui s'écrit Nathalie, à l'anglaise, à l'américaine même, si vous voulez. Voilà. Donc écoutez Ne m'oublie pas, chanté par Nathalie pour le groupe De Nature, un titre bien Eurodance. Thank you.
pas mal hein, ce son en français. En Eurodance, cela avait une certaine qualité. Cela n'a pas marché parce que je pense que justement c'était dans notre langue. Ça sonne des fois bizarre d'entendre des chansons chantées en français, alors qu'en anglais ça passe beaucoup mieux. Prenez la même mélodie chantée en anglais, je pense qu'elle aurait eu peut-être plus de succès. Non pas que la chanteuse chante mal, hein, Nathalie, elle chante très bien, mais malheureusement je pense que ce n'était pas vendeur. Mais cela a sa place dans cet épisode. Voilà, sinon, en 1993, les acteurs Christian Clavier, Jean Reno, Valérie Lemercier et Marianne Chazelle, entre autres, vont jouer dans un film qui va cartonner au box-office français. Il y aura même, je pense, de mémoire, un remake, hein, où, il me semble, oui. À revérifier, hein. Ça c'est à reconfirmer, c'est pas une affirmation de ma part, mais bref, ce film-là, c'est Les Visiteurs. Film réalisé par Jean-Marie Poiret. Donc ça avait vraiment très bien marché, qu'il y a même eu un deuxième volet, Les Visiteurs 2. Mais c'est le premier volet hein, qui va vraiment faire du bruit. Et donc, en 93, je vous dis que l'Eurodance marche très bien, puisqu'il y a plein de projets de ce genre musical qui sortent à l'appel. Et justement, comme un petit peu à la même manière que tout à l'heure pour Casimir, par exemple, eh bien, il y aura une version Eurodance avec des samples, des accroches hein, des acteurs dans le film, des extraits de phrases, de mots qu'ils ont prononcés dans le film, qui vont être remixés à la sauce Eurodance. Donc, le projet va s'appeler tout simplement Les Visiteurs, un projet produit par deux gars que sont Eric Lévy, un guitariste-compositeur français originaire de Paris, mais qui va bosser aux States durant sa carrière musicale, mais aussi un certain Phil Simpson, que l'on pouvait retrouver sous le nom, par exemple, de Jean-François Boutillier. Phil Simpson, hein, qui est connu aussi pour avoir bossé pour les Latino Party, par exemple, ou pour avoir remixé pas mal de titres des To Be Free. Voilà. Eh bien, Les Visiteurs sortent le titre C'est OK, qui est en 93, qui va bien marcher en boîte de nuit, et même dans les ventes de singles, et qui sera inséré parmi plusieurs compiles Eurodance. Donc on s'écoute, c'est OK, façon Eurodance des Visiteurs. En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet dit le Gros affrontait aux frontières du royaume son cousin roi d'Angleterre et duc de Normandie. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. Okay. Attends. Okay. Attends. Jacouille, après. C'est, 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 c'est,
un laidron mais qui est bien bonne. Fais dehors les Romano. C'est OK contient donc des citations issues du film Les Visiteurs, les plus connues comme citations, dont le fameux C'est OK, justement. Et on entend donc les deux voix qui se répètent, c'est OK, ce sont les voix de Christian Clavier et Valérie Lemercier. Ils sortiront sous Les Visiteurs un autre titre Eurodance qui s'appelle Jacouille la fripouille, mais qui marchera beaucoup moins bien. Allez, on poursuit avec un Suédois que je vous ai déjà raconté en story dans l'épisode numéro 72 du podcast. C'est un certain Martin Bo-Erik Eriksson, alias E-Type. Et oui, puisque lorsqu'il sort son cinquième album, qui s'intitule Load Pipes Save Lives, cette galette contient une chanson dans ses pistes, parmi ses pistes, qui contient également du texte français, où il invite la chanteuse suédoise Anna Nordell, qui, vous allez l'entendre, s'exprime en français, sur la chanson « Dans la fantaisie ». J'ai dit « fantaisie » et non « fantaisie ». Voilà, c'est peut-être une faute de prononciation, mais c'est comme ça, c'est le titre. Donc « Dans la fantaisie », avec la voix de Anna Nordell, pour l'album D-Type, le cinquième album, qu'on s'écoute tout de suite, hein, qui date donc de 2004 exactement. C'est parti. Je veux du monde.
Alors, vous en pensez quoi? Ce que nous a sorti E-Type, ça sort un petit peu de ce qu'on l'on connaît de lui. Voilà, et en plus, ce n'est pas sorti en single, donc j'en ai profité pour le glisser dans cet épisode, ce Dans la Fantasy. Voilà. Allez, un dernier petit bonus, on va retrouver Kim K, que j'aime beaucoup. Donc, je la glisse une troisième fois dans le podcast, avec une chanson, un autre single. Je vous ai dit qu'elle en avait une bonne dizaine. Eh bien, j'ai choisi pour vous un titre qu'elle sort en 98. C'est parmi les premiers, bien entendu, qui s'appelle « Oui, oh oui ». Maintenant une Canadienne, Solina, de son vrai nom Isabelle Plante. Alors Solina, c'est une artiste de la même trempe que MG ou encore les Capital Sound, entre autres, issus du Canada, tout simplement. Elle a sorti pas mal de singles en langue anglaise. Et lorsqu'elle sort son titre Summer Nights en 1995, elle décide de le traduire en deux langues, vocalement parlant, en espagnol sous le titre de Las Noches de Verano et en français sous un ciel étoilé. On va s'écouter donc bien entendu la version française qui s'intitule Sous un ciel étoilé de Solina, qu'on s'écoute donc tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Je préfère, ceci dit, la version anglaise, hein, qui est bien meilleure, euro-reggae, qui fait un petit peu penser au style de Coco Jumbo, par exemple, de Mr. President, entre autres. Allez, ensuite, on arrive presque à la fin de cet épisode. Oui, oui, on est aux portes de la fermeture. Bref, cela veut rien dire ce que je dis. Donc, on va retrouver une chanteuse qui est métisse suédoise et estonienne. Cela vous parle peut-être ? Qui a été produite en France, Indra, que je vous ai déjà commencé à raconter son histoire en épisode story via l'épisode 20 de Roden Story. Indra, de son vrai nom, Indra Kuldazar. Eh bien, en 2005, elle sort un titre totalement en français, puisqu'elle avait l'habitude, je vous le rappelle, de chanter en anglais, Let's Go Crazy, Misery, etc., etc. Mais en 2005, elle est produite par Orlando, le producteur frère de la chanteuse iconique Dalida. Et Indra nous sort, vous allez voir, un titre qui bouge beaucoup, 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 qui est très énergique. D'ailleurs, je vous le recommande, hein, si vous faites du sport, surtout si vous faites du running, du footing, mettez-le dans vos oreilles, ça, cela va vous motiver encore à tenir plus longtemps. C'est la chanson « Sois beau et tais-toi ». Une chanson bien féministe comme il faut, que je vous propose d'écouter et pour vos magnifiques petites oreilles, parce qu'elle mérite d'affronter ce très joli son proposé par Indra. C'est parti. C'était « Sois beau et tais-toi » d'Indra, sorti en 2005. Elle me fait marrer quand elle dit
Si tu savais comme je t'aime quand tu te tais, parle pas. Bref, pas mal comme paroles qui sont très, très intelligentes, je dirais même. Alors, voilà, donc on a fait un petit tour hein, de ce qu'on pouvait trouver en chanson en français dans la dance music, Eurodance, Eurotrance, parfois Dream. Je ne vous ai pas, comme je vous l'ai dit, mis tout ce qui est touché à l'EDM, sauf peut-être via Hold Up tout à l'heure, juste avant la pause musicale. Voilà, donc c'est pour cela que je n'ai pas inclus, par exemple, les titres de Ocean Drive, ou encore Helmut Fritz, avec Sa Ménerve, ou Shanna, avec Il est interdit, ou Disco Beach, ou Ingrid, avec son Tu es foutu, ou même Najwa Belizel, comme je vous l'ai dit, ou Isa Ferrer. Vous voyez, il y avait pas mal de quoi mettre, donc j'ai exclu volontairement les titres DM, parce que sinon on aurait atteint les 4 heures. Là, on fait plus de 3 heures, hein, si je ne me trompe pas. Mais c'est l'épisode 100, donc on s'en fout. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé. Ah oui, je ne vous ai pas mis aussi les titres Eurogroove. J'aurais pu caser, par exemple, Roman Photo. Voilà, mais comme je ferai certainement un épisode thématique sur l'Eurogroove, avec les Down Low, par exemple, entre autres, Nana, etc., Papa Beer. Il y aura, donc je glisserai du Roman Photo, bien entendu, dans cet épisode-là. En tout cas, j'espère que vous aurez pris plaisir avec moi à écouter ce qu'on pouvait retrouver en français dans l'Eurodance. Alors, il y a de la très bonne qualité, comme de la qualité basse, on va dire. Je ne vais pas dire des choses mauvaises. Hein. On respecte les goûts de tout le monde. Je compte sur vous. Mais voilà, c'est intéressant de voir hein, qu'il y avait un petit peu de tout et du n'importe quoi aussi. Mais qui en fait de bons souvenirs. Voilà. Donc, j'espère que pour les plus jeunes, si vous n'avez pas connu l'époque des années 90, vous aurez une grande ouverture d'esprit pour avoir accueilli ces chansons-là bien différentes. Bien entendu, pour ma part, personnellement, je préfère une chanson en langue anglaise. J'ai du mal quand c'est chanté en français, mais c'est en général un petit peu avec tout, hein, même que ce soit dans le R&B, dans le rock, dans la variété. Encore dans la variété, ça peut passer. Les chansons des années 80, vu que c'était de la synth pop, ça se marie un petit peu mieux avec la langue française. Voilà. Donc, on va se conclure avec une chanson que j'aime beaucoup, qui compte beaucoup pour moi. Là, c'est un titre de haut niveau. Elle n'est pas que française. On va dire qu'elle est franco-allemande, cette chanson, puisque c'est l'union de deux artistes. L'union, je devrais dire, la collaboration. Puisqu'on va retrouver Ita Faro, qu'on a entendu deux fois dans cet épisode déjà, avec Le Monde est dans tes yeux et Parlez-vous français. Chanteuse française, hein, je vous le rappelle. Ita Faro, en 99, elle va collaborer avec l'allemande Blumchen. Blumchen, de son vrai nom, Jasmine, Wagner, qui est très célèbre en Allemagne et un petit peu partout en Europe. Elle n'a pas cartonné chez nous en France, ceci dit, parce que, en effet, la plupart de ses titres sont en allemand. Voilà, donc la langue allemande passe encore moins que la langue française chez nous en France, c'est certain. Et donc, Blumchen et Ita Faro sortent le titre « Tu es mon île ». Vous allez voir que c'est une chanson qui vous emporte loin, elle donne des frissons, ne serait-ce que par les voix des deux chanteuses, surtout celle d'Ita d'ailleurs, je dirais, puisqu'elle chante en français hein, dans cette chanson. C'est un mariage vocal qui est excellent, une mélodie qui fait frissonner, comme je vous l'ai dit, qui donne envie de la réécouter plusieurs fois. Donc, elle date de 99 et j'espère clôturer en beauté cet épisode thématique que j'ai décidé de nommer Parlez-vous français, voilà, tout simplement. Donc, on se retrouve dans une quinzaine de jours. Alors, ce sera un épisode spécial. Bon, pas grand-chose, hein, c'est plus musical, vous comprendrez pourquoi. Je tease un minimum, mais je préfère que vous découvrirez le jour J, dans 15 jours. Voilà, donc passez un bon été, de bonnes vacances si c'est votre cas, sinon bon courage si vous bossez. Voilà, et j'espère que vous aurez pris plaisir, comme je vous l'ai dit. Voilà, n'hésitez pas à me faire part, comme je vous le dis souvent aussi, de vos commentaires, vos remarques. Et n'hésitez pas à me proposer des idées de thèmes, parce que là, je commence à un petit peu faire le tour. Donc, il y aura un thème sur l'Eurogroove, mais pas que, on verra hein, par la suite. Si vous avez des thèmes intéressants, je suis preneur. Je peux étudier les questions en fonction de ce que vous me proposerez. Voilà, donc on se quitte avec Tu es mon île de Blumchen et Ita Faro. C'était Hakim en votre compagnie et tous ces artistes-là qui sont amoureux de notre langue, visiblement. Je vous embrasse, portez-vous toutes et tous bien et je vous dis à très bientôt, je l'espère, sur Eurodance Story. À bientôt, bisous. À bientôt sur Eurodance Story. 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 À
À bientôt sur Eurodance Story. À bientôt sur Eurodance Story. Qui se termine en arc-en-ciel, un goût de salé et de miel.